Les amis, on va suivre le guide tout de suite qui va nous emmener, évidemment, le professeur, toujours dans la vallée de la Bouzanne. C'est bien ça, oui. Professeur ? Au cours de la guerre de Cent Ans, ça remonte à loin, cette vallée de la Bouzanne fit fonction de frontière naturelle entre les Anglais et les Français. C'était un peu la ligne Maginot de l'époque. Et comme on peut le voir sur cette carte, au nord de la Bouzanne, c'était plutôt les Anglais. Et au sud, c'était plutôt les Français. Bon, il y a eu quelques incursions de ci, de là. Et en fait, quand un camp construisait un château d'un côté, bah, l'autre construisait le même château de l'autre. Bah, oui. Il y en a une dizaine qui ont subsisté durant les siècles qui ont suivi. Ça fait le charme de cette vallée de la Bouzanne. Dans le département de l'Indre, il est une vallée que j'affectionne particulièrement. Une vallée méconnue, où de splendides forteresses ont poussé comme des champignons. Portant le nom de la rivière qui la traverse, la vallée de la Bouzanne nous invite à une plongée fascinante dans l'histoire de France. Celle de la folie immobilière des châteaux au cours de la guerre de Cent Ans. Un voyage dans le temps que Philippe, lui, a le privilège de vivre au quotidien. Se dressant fièrement au milieu de cet écrin luxuriant, le château de la Chasse-Saint-Éloi est la demeure de Philippe. Une bâtisse d'exception dont les fondations datent du XIe siècle. Et ce château fait le bonheur de son propriétaire. Ah, c'est totalement un rêve de paix, oui. Ce que je trouve particulièrement beau, c'est la grande cheminée que vous voyez avec le dé. Ce qui est très joli aussi, c'est les petites tourelles que vous voyez. La pierre, on a l'impression qu'elle a été faite hier, alors qu'elle est à l'abri. C'est une pierre très blanche et tout ce qui est vitraux, ça me plaît beaucoup. Philippe est loin d'être le seul berrichon des environs à connaître la vie des châteaux. À quelques kilomètres de là, tout le long de la rivière de la Bouzanne, d'autres forteresses ont traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Si ces constructions se distinguent les unes des autres par leur architecture, elles ont toutes en commun d'avoir été bâties à proximité de la rivière. Et ce, pour une raison stratégique. Durant la guerre de Cent Ans, la Bouzanne était une frontière naturelle entre Français et Anglais. Dès que l'un des camps bâtissait une forteresse, l'autre en faisait de même, donnant lieu à une véritable course à la construction de châteaux, folie immobilière d'avant-garde. Et ce passé attire de nombreux férus d'histoire. Il y avait deux guérites, deux échauguettes qui sont tout en haut, qui contenaient un colombier et l'autre les latrines. Ouais, c'est ça complètement. Donc c'est l'archétype d'une donjon médiévale. Les deux amis connaissent la vallée comme leur poche. Leur plaisir, partir en promenade dans la campagne berrichonne pour contempler ce patrimoine bâti, héritage de la guerre de Cent Ans. Et pour Guillaume, ce ne sont pas ses béquilles qui le retiendront. D'autant plus qu'aujourd'hui, le duo vient rendre visite à l'une de leurs protégées. Une forteresse vieille de plus de 1000 ans, implantée dans la commune de Cluis. On a un mur antérieur juste dessous là. Il faudra qu'on le remette en valeur avec les archéologues. D'accord. Mais il faut qu'on fasse attention, qu'on préserve ça. C'est antérieur à même au XIIe siècle. Yves et Guillaume vouent un attachement particulier à cette forteresse qu'ils s'efforcent de préserver régulièrement à travers des chantiers de rénovation pendant la période estivale. Il faut dire que cette construction moyenâgeuse souffre sous le poids des ans. Semblable à un château fantôme, la forteresse de Cluis n'en dégage pas moins une aura particulière, invitant à une rêverie éveillée. Yves, lui, se plaît à côtoyer les restes de ce donjon, surplombant cette petite chapelle. Une balade au milieu des vieilles pierres taillées à la main par les ancêtres, un moment d'émotion. Cette pierre, elle a permis à des générations de se protéger. Moi, je m'imagine tout ce qu'elle a vécu. Ces murs ont été pour partie, sont tombés sous la charge des assaillants. Et tous ces vieux murs ont une histoire extraordinaire. Dans un lieu pareil, on se laisse embarquer. Et si l'histoire est présente au milieu de ces vestiges, la vallée de la Bouzanne offre d'autres sensations plus fortes encore. Parmi les forteresses conservées intactes, l'une des plus majestueuses est sans doute celle de Chabenay. Doté d'une dizaine de tours, ce château joyau domine la vallée. Son architecture impressionne et a été admirablement restaurée. Sabine, qui vit et qui travaille ici, ne peut s'empêcher de regarder cette forteresse avec beaucoup d'amour. Ça va faire 14 ans que je suis ici, donc dans le Berry et au château de Chabenay. Et puis je ne vous cache pas, tous les jours, hein, je le regarde, je dis qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce que je suis contente de vivre ici.
Ouais, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre et de travailler dans un cadre pareil. Sabine est à la tête du château de Chabenais qui accueille les touristes dans de splendides chambres d'hôtes. Une occasion rêvée de vivre la vie de châtelain au milieu de ce cocon chaleureux. À l'intérieur de la forteresse, rien ne manque pour retrouver une ambiance moyenâgeuse, comme en témoigne cette armure de chevalier. Ou encore ces tapisseries anciennes, tout comme cette coquette chapelle. Réunissant de nombreux trésors, le château de Chabenais est une merveille incontournable de la vallée de la Bouzanne. Il séduit de nombreux touristes, mais pas seulement. Certaines stars ont failli en faire l'acquisition. Eh oui, Michael Jackson, lui-même, dans les années 80, souhaitait prendre possession de ce château. Oui, c'était Michael Jackson. Et Michael Jackson est venu même deux fois au château, donc c'est absolument pas une rumeur, il est venu deux fois. Il a découvert le château et puis il disait « Oh, c'est le château de la Belle au bois dormant, le château de Conte de Fées », et c'est ça qui lui a plu. Alors il se voyait déjà au château organiser ses fêtes ou voilà, y vivre. Hein. Au cœur de ces paysages, les nombreux châteaux de la vallée de la Bouzanne témoignent de cette folie immobilière qui a eu cours pendant la guerre de Cent Ans. Un héritage encore debout, niché dans un cadre bucolique, qui veille désormais sur la rivière et qui fait la fierté des Berrichons. C'est marrant, hein, cette guerre de Cent Ans qui a eu son côté immobilier qui est préservé. Exactement. Totalement. Et Chabenais donc a failli avoir une destinée autre et encore plus prestigieuse, j'allais dire, au XXe siècle pour poursuivre cette histoire, puisque oui. Michael Jackson, effectivement. Mais pourquoi il ne l'a pas acheté? Parce qu'il a failli l'acheter. Il trouvait que c'était le château de la Belle au Bois dormant, le château de Pau d'Âne, un château de Conte de Fées. Le seul truc, c'est que pour être en sécurité complète, il a demandé, il dit ok, je l'achète, mais vous tout rasez. Non, vous m'inondez la vallée qui est autour pour qu'on puisse pas venir m'embêter. Bien sûr. Et là, évidemment, il y a eu quelques levées de boucliers. Hein, et du coup, en 96, le projet a capoté. Il n'empêche que le château, il est là, il est bien là, il est magnifique. Et ça fait partie des petits trésors qu'on trouve dans l'Indre. Ouais. Billie Jean, que l'on écoute de Michael Jackson. Hein. Regardez, c'est vrai que ça, c'est une petite merveille. Voilà, cette rivière, la Bouzanne, qui servait de frontière. Ça aurait été Jacksonland, en fait. Jacksonland, t'as raison. Ouais. On serait venu à la Bouzanne. Remarquez, ça aurait eu un développement économique et touristique tout à fait impressionnant. Hein. C'est ou pas. Ou pas. Et les monuments de France auraient été ravis, à mon avis. Bah, c'est clair. Ah bah, là, si tu veux. Ça... Tu en as changé ça. D'accord. Vas-y, fais-le tout seul.